aujourd'hui, on revendique une amélioration du pouvoir d'achat pour les retraités. Le gouvernement a décidé de geler les pensions des retraités jusqu'en 2015, octobre 2015. C'est absolument inacceptable. Nous cessons d'alerter sur la situation des retraités qui sont loin d'être des privilégiés. Je rappelle juste deux chiffres. 11% sont en dessous du seuil de pauvreté et 1 sur 2 a une pension d'environ 1260 euros. À force, TVA, petit pourcent par-ci, petit pourcent par-là, petit pourcent encore, eh bien, nous avons énormément de charges. Charges de l'augmentation des loyers, charges de l'augmentation de la vie, des transports, de partout. Les retraités, ils en ont ras la casquette. Il faut que ça cesse, parce que sinon on va exploser.